Bonjour à tous, ici professeur Kanijiba. Dans ce premier épisode de la série consacrée à Blender, je vais vous montrer comment installer Blender sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous allez avec Google chercher Blender, ensuite blender.org. Vous allez prendre la dernière version disponible, Blender 2.74. Alors, je suis sur Windows, donc j'ai montré que pour Windows, mais je pense pour Mac et pour Linux. Vous pouvez aller voir comment installer, je pense, Blender installé sur Mac et compagnie. Ça doit pas être bien compliqué. Donc, je vais prendre le zip parce qu'il n'y a pas besoin d'installer sur l'ordinateur, ça prend moins de place. Et puis, le fichier, vous pouvez le copier-coller même sur une clé USB. Ça... Et vous pouvez le déplacer n'importe où, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais prendre USA, enregistre le fichier. Ah oui, quelque chose d'important pour ceux qui n'auraient pas. Si vous n'avez pas encore, prenez WinRAR, ça va pouvoir dézipper, ça peut servir pour d'autres aussi. Donc la version 64 bits pour moi, sinon pour le 32 téléchargez WinRAR. Il vous suffit de cliquer ensuite sur télécharger et normalement il devrait apparaître. Vous enregistrez le fichier et ensuite vous double-cliquez, ça s'installe très rapidement. Annuler. Donc nous revoici après 2 minutes de téléchargement. Donc nous allons chercher Blender dans les téléchargements. On va l'extraire. On peut extraire les fichiers où on veut avec cette option. Mais moi je vais l'extraire ici. Ce sera plus simple. Et donc on double-clique et on va chercher l'application. On double-clique et normalement... Tada, il s'ouvre. Donc voici pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode qui sera consacré à la présentation de l'interface. Ciao, ciao!